Ce jour-là, on n'est pas prêt de l'oublier. Et l'affront. Défi que nous, on avait élevé. Les filles, ça va toujours avec les vieux. Et pourtant, la veille, on s'était donné tant de mal. On avait le choix, mais on voulait en trouver des biens. On avait usé au moins 3 litres d'essence. Elles auraient dû nous remarquer, surtout Dany derrière moi avec sa chemise mauve. Mais depuis, on a compris, c'est pas dans la rue qu'il fallait attaquer. Dans la rue, c'est toutes des bêcheuses. Il y a trop de monde. Et sur le trottoir, Dany en faisait la triste expérience. Alors, écœuré par ton indifférence, on décida d'aller prendre l'air. Alors, on se promène. Vous n'avez pas peur, toute seule? Vous habitez chez vos parents? Alors, vous habitez chez papa et maman? Ah! Abruti! Je vous ai pas fait mal. Vous êtes de calme? Paris. Elles sont pas de Cannes, elles doivent être en vacances. Qu'est-ce que vous faites ce soir? On en a de la chance de sortir avec elles ce soir. C'est elles qui ont de la chance. Bon comme on est. Flûte. Ah. Oh non. Ah, la souris, elle va parler. Qu'est-ce que tu penses de la blonde? On dirait Brigitte Bardot. Moi, ce qui me plaît pas, c'est ses pompes. Et moi, c'est ta tête qui ne me revient pas, espèce d'abruti. Oh, la mauvaise. Qu'est-ce que je vous ai fait? Moi qui suis gentil avec vous. Rien, mais vous êtes casse-pieds. Fichez-nous la paix. Eh bien, puisque vous m'aimez déjà plus, je vais aller me suicider. Je vous en prie, ne vous gênez pas, allez-y. Bon, j'y vais. Ça fait plaisir quand même de se suicider. Bien, bonjour. On prend le frais? Ouais, et toi? On se promène un peu par là. Hé, hey, mesdemoiselles, vous aussi vous prenez le frais? Ça rend mieux que tout à l'heure. Et toi, ça va pas plus fort, hein? Avec ton attirail. Il croyait faire impression avec sa casserole. Ça leur a plutôt fait peur. Elles ont préféré rentrer seules à pied. On était sur un coup, il a tout gâché. Alors on s'est remis au travail, mais on n'avait plus le moral ce soir-là. On a beau être motorisé, des bagnoles comme ça, ça vous achève. Mais puisqu'on les retrouvait le lendemain, on allait changer de tactique. Alors, mademoiselle, c'est mes moustaches qui vous plaisent pas? Il peut les enlever si vous voulez. Hop! Et voilà. Ah, vous, alors? Alors? Que vous pouvez entre un balai? Oh. On va leur dire bonjour? Oh non, la barbe, mon vieux. Encore se fatiguer à baratiner pour oui, rien. Mais il est 1 heure, il n'y a encore rien trouvé. Ouais, oh, après tout, ils sont pas mal. Thank you.
Oh, tu verras bien. Tu te plaignais assez tout à l'heure parce qu'il ne venait pas. Oh, je m'en fiche, tu sais. Tu viens? Attends-moi. J'ai plus de pognon. Hmm? Moi non plus. C'est moi qui ai payé les glaces hier soir. Eh bien, c'est gagné. Je m'excuse, mais je n'ai pas d'argent. Je vais vous laisser ma carte. Alors, maman. Alors, vous voulez que je vous laisse ma Vespa? Ça ira. Hé hey, mon casse-croûte! Eh ben alors, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. C'est foutu, quoi. Oh, y a qu'à continuer. À pied? Rien à faire. Il y a une jolie petite plage en bas. Ah oui? Je prends toujours la même? Ben oui, pourquoi changer? Les garçons, vous venez? Ouais. Ça n'avait pas si mal commencé. Mais c'était pas le moment de rêver. Je lui ai dit des trucs qui prennent à tous les coups. Que la vie est courte. On ne serait pas toujours jeune. Que personne n'en saurait rien. Qu'elle était jolie. Qu'elle me plaisait. Ça ne lui faisait ni chaud ni froid. Alors je lui dis que je l'aimais. Et que d'ailleurs, à l'époque de la bombe atomique, tout ça ne tire pas à conséquence. Ça m'apprendra à être sincère.
pauvre couillon que je suis, moi. T'as pas trouvé 1000 balles? Non. Pas eu le temps. Dis donc, Joe, ça vous regarde? Alors on est cuit. Peut-être qu'on aurait dû laisser tomber, mais qu'est-ce qu'on peut faire après dîner à nos âges? On ne peut tout de même pas passer nos soirées à regarder la télévision. Alors on sort. D'ailleurs, on avait rancard. Elles auraient déjà dîné. Tant mieux. Il nous restait plus qu'à payer de notre personne. Qu'elle est belle! Oh, t'es pim-pam-poum, fais-toi soigner si ça va pas! Belle pompe! L'abruti. D'abord? Toute blanche. T'es sale, ne me touche pas. Bonjour. Où va-t-on? Prendre l'air. Non, pas comme ça. Ici. Ah, la mare. Tout de même pour nous autres touristes, Cannes est vraiment enchanteur le soir. Un vent parfumé nous frôle les narines. Une douceur impossible à décrire nous envahit. Et notre cœur palpite de bonheur à l'idée d'une douce soirée qui nous attend. Tu parles. Quand on a levé des filles, c'est là que les difficultés commencent. Il faut bien les mener quelque part. On avait tellement d'idées ce soir-là qu'on leur a fait faire la rue d'Antibes plusieurs fois dans les deux sens en faisant beaucoup de bruit. On ne sait pas si ça leur a plu, mais ça les a secoués. Ça coûte cher. On ne pouvait pas les trimballer comme ça toute la nuit. Elles auraient bien aimé aller au cinéma. Au cinéma, on les aurait menées peut-être. Mais nous, on aime faire les choses correctement. Alors, on les a menées dans une boîte de nuit. Cette musique. Oh merde. Sage, sage. Allons, soyez sérieux. Ah mais non. Ah, ah mais je vais me fâcher. Oh. Alors, Joe, tu vas l'abîmer. C'est pas bientôt fini? Oui alors. Alors là, ils exagèrent.
Le charme était rompu. Manque de peau. Ça y était presque. Pour moi, c'était mort. Et pour mon copain, ça ne valait guère mieux. Elle le faisait marcher. Et lui, le pauvre pigeon, il se donnait du mal. Il croyait qu'il avait encore une petite chance. C'est malheureux de voir un type s'escader comme ça pour rien. Il n'avait pas deux sous de dignité. Peut-être qu'il ne s'en doutait pas, mais à mon avis, c'était une histoire classée. Hey. On y va? Alors? Ça marche pas. C'est de la brique. Oh, je me demande ce qu'il leur faut à celle-là. Des gourdes. Alors, demain? On laisse tomber. Eh ben, comme ça, je le sais. On s'arrête là. Ça n'avait pas marché ce soir-là. D'ailleurs, on ne perdait pas grand-chose. Eh bien, ça marcherait mieux demain. On les prendrait moins jeunes, voilà tout. Pourquoi s'inquiéter? On a tout l'avenir devant nous. Thank you.